Bonjour, bonsoir à toutes amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous comptons entrer la caillou pour servir ou non pas M. Dotelus. Jodi a nous parler dans stade Sivio Kato pour nous parler des matchs qui étaient opposés Star 509 à équipe FC Toroa. Mais avant nous faire ça, si c'est premier fois visiter nous ou remet sport c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons un sport vidéo sur chaîne ça qu'on recevoir sans problème. Eh bien, mes sacs information, match qui était opposé Star 509 là à équipe FC Toroa qui comptait pour quart de finale 3e division contre toute entente, FC Toroa lui-même l'y éliminé dans compétition. C'est Star 509 qui sortit quoi des bouquets qui gagne compétition ça. C'est information ça nous porter pour avec plaisir l'autre. Nous pas perdre du temps. N'a pas invité au suivre. Dans FC Toro, lui-même, li éliminé dans la compétition. C'est Star 509 qui me sorti. Croix des bouquets, qu'on a croix des bouquets, il y a deux équipes. Si nous avons même mis équipe Aigle Noir, là, qui lui-même tout à l'entraîner et à Cayenne, même si Moun Bel est toujours réclamé et Aigle Noir, il disait Aigle Noir du Bel Air, mais Aigle Noir qui presque finit de base. C'est lui-même qui a entraîné dans le ranch là. Là où entraîner dans ranch là, il y a une possibilité pour manger tout parce que vous voulez ou pas voulez le président fédération a ligon l'amour et nous comme dit spécial. C'est bien que sorti. Donc là, c'est normal pour que vous capable rendre monsieur ça au service là pendant au fin entraîner, vous fait tout travail yo. Donc c'est vrai mon belé après des temps dans camp de base pour que vous capable continuer mais tâche là capable pas être compliqué. Bon, n'a pas été temps et Aigle Noir toujours été pour belé même si il délogé, il fait basi à carrière. Et pour l'instant, mais pour nous capable dire, Akayodi, il fait basi quoi des bouquets, quoi des bouquets. Nous capable dire qu'il y a deux équipes deuxième division qu'on y a et non quoi des bouquets. C'est d'après la séance là, nous ouais j'en joue FC Toro a tiré malheureusement ballon passe à côté. Me pensé et Monsieur Bonfil avec Staffoua faut à travailler oui avec Timon Yona la penalty parce que ça lui laissait à désirer et il aura Teli malheureusement c'est équipe 509 là qui arrivait passer 3-1 gagné réaction avec Altidor Wildor qui est entraîneur FC Toro Lilié élimination équipe il y a erreur de placement bon côté pour l'Lio pendant l'espérer faire mieux l'année prochaine. Arrêter on doit maintenant bouchon et me penser c'est à recommencer pour l'année prochaine. OK, et depuis le départ qui nous senti que tu chez nous pas dans courant et nous fait en pile erreur dans match hein en pile ballon perdre en pile ballon gaspiller en pile ballon et me penser que bah là c'est moi c'est à le travail et puis pour nous recommencer pour l'année prochaine. C'est football et des fois gagne bon moment dans match non match football des fois gagne mauvais moment. Aujourd'hui a c'était mauvais moment pas nous en côté qui dans match qui vraiment décisif et puis c'est là que vraiment nous fait en pile erreur que nous pas supposé faire comme joueur pas supposé faire fanatique New York là nous venons avec toute bande nous là il pas besoin de décourager penser que nous va le travail et pour saison prochaine pour nous si arriver dans la deuxième division. C'était réaction Altidor Wildor qui c'est entraîneur équipe FC Toro. Simon Jean-Max qui c'est entraîneur Star 509 dans intervention le fait qu'on est il était préparé en conséquence pendant le palais de challenge qui pourra le gagner dans quoi de bouquet à deux équipes ça qui montaient en deuxième division. Vient dans football, ça arrive dans football où on a concentré ou a joué mais gagner des phases de jeu côté ou désorganisé et puis ça arrive au prend goal mais ce que nous pas voulons nous-mêmes nous travaillons à ce que et nous jouons bon match jusqu'à présent nous jouons bon match. OK mais et nous gagner des goals ou prend ou pas capable pêcher c'est sûr que gardien et monsieur bon tout bon petit malaise le temps pour le déplacer pour le dégager monsieur pas déplacer à temps son concentration et nous fait 2 ans en troisième division et que nous te dit année ça nous bien déterminé pour nous faire deuxième division alors c'est objectif là c'était ça on a dit que nous remercions parce que tu as un pile encouragement parce que quoi des bouquets tu as besoin ça nous avons l'église qui monte après midi et encore c'est un football club 509 qui monte quoi des bouquets viennent deux équipes en deuxième division bon on dit l'aigle noir tout et ça va le chauffer parce que l'aigle noir l'église et c'est un 509 encore cette intervention
Simon Jean-Max qui est entraîneur équipe Star 509. Basketball à présent, Ligue Basketball Cité Soleil qui a dirigé par Sadrak Joseph, réalisé dimanche 9 février 2020 sous paquet lycée national Cité Soleil, grande finale 9e édition championnat basketball Ligue Cité Soleil dans catégorie moins de 20 ans qui est formation Epiphanie sacré champion face à la formation Waflan que yo gagné 33-28 et là c'est match et qui basket qui t'a joué nous connaît c'est Epiphanie qui a attaqué une tentative de tir à deux points là nous elle prend chance là pour le mettre donc là donc il y veut mettre encore une fois c'est Waf qui t'a mené donc Waf fin campé et puis Epiphanie balancé donc c'est assurément au gain. Nous connaissons Cité Soleil, il est réputé pour le bail. En pile bon joueur dans toute discipline sportive. Faut nous dire, le comité qui a organisé la compétition a profité et bail médaille à trophée à équipe. Bon. Championne et vice-championne, alors que tu mets un ballon. Et avec mieux joueur là, et Vondoula, c'est. Au lieu de confetti, c'est Surette qui voit. Ou d'avoir le goût, mais Surette. Toi, fait quand même. Ou d'avoir le goût, mais. Moi, j'aime bien. Si le roi, tu m'en montes moins. Et faut nous dire, et meilleur joueur match là, c'est Mesilus Luxon, qui lui-même joigne un ballon basket pour le capable et entraîner, continuer à préparer le basket. Déjà, chapeau avec tout le monde, c'était Soleil, qui toujours a créé activité sportive. Ça y est, dans la commune, Gem Mackenzie Moron qui se pare au forad Epiphanie intervention il fait connaître une déception pour yo après défaite yo dans finale par rapport à quatre travail yo te fait à l'entraînement mais c'est sport yo pour la préparer yo pour une prochaine compétition. Et parce que par le fait que me devine là je réussi et puis me gagne un peu fanatique là qui a regardé moi parce que m'a pas menti maman là c'est tout plaisir ça pour ta champion mais malheureusement c'est deux équipes qui t'a joué faut que t'a gagné une qui pour ta gagner bon alors qui ça ou même selon même qui cause que nous pas faire victoire là bon parce que c'est moins d'entraînement moins de motivation et puis bon on pense nous va recommencer encore parce que la prochaine fois on pense n'a champion c'est première participation dans la compétition oui on pense et pour la première fois. Et qui ça nous souhaite pour prochaine compétition nous sommes fanatiques, nous sommes fans, nous pensons que prochaine compétition qu'a faite. Mais je me promets tout ça que nous sommes. Je suis très bien dès que je fais victoire ça et nous sommes motivés pour nous battre. Je dis autant en pile, oui, il y a un pile qui réussit, mais comme ça, tout un pile qui va bon. Je me travaille pour ça depuis samedi, je travaille pour toi après et m'arrive. Ça fait longtemps que final la tête de fête, mais la pute est gâtée. Donc comment ça te bon côté de ah ça te fait mal en pile mais final là-bas j'aime qu'à fête et on va me démotiver pour lui. Comme je dis à l'arrivée fête et m'arrivé champion. Comment tu vois match là? Pour match là, t'es un petit genre là, t'es fait commencer à te un petit genre l'aide. On après nous venons motiver. On arrive à battre équipe là. On met ça pour tout prendre des vis. Je dis que tu viens supporter mieux, continuer à jouer basket même j'ai avec et n'arrive plus loin. C'était intervention Mesilus Deluxon qui s'est mineur Epiphanie. Pour qu'on ait nous suivre, président Ligue Basketball Cité Soleil Lance Sadrak Joseph qui t'a fait le point autour de déroulement championnat. Ils sont finis avec des choses faites depuis quelques mois avant, mais à cause des conjonctifs payants et puis des problèmes de cité à gagner, nous avons retardé la finale là, mais au final, nous avons réussi quand même pour nous réaliser comme ça. Alors, sous yeux, oui, finale là, je vais commenter le comportement joueur. Bon, normalement, c'est Timoun qui a joué, c'est moins de 20 ans, et nous vraiment apprécié cette façon de jouer, après son match et Pacifique qui jouait, et Timoun nous met des talents en évidence pour toute la population en Kawé, et pour le monde Kawé, tout bien Haïti Kawé, qui talent a gagné dans le jeu là. Alors, dans quelle catégorie d'âge que nous avons réalisé compétition ça, combien d'équipes qui ont participé avec nous pour nous arriver dans la finale ça? Généralement nous organisons des compétitions et open mais avec promotion à faire pour Timoun et nous jouer ça et nous organisons des compétitions en moins de 20 ans donc nous y a là c'est moins de 20 ans que nous organisons des compétitions pour Timoun de moment là. Alors combien d'équipes qui ont participé avec nous? Nous avons 8 équipes qui ont participé avec nous dans la compétition ça. C'est 9e édition. Aujourd'hui là après la finale là qui ça équipe va bénéficier? L'équipe va bénéficier et médaille et puis coupe champion, coupe vice-champion, médaille champion, médaille vice-champion et puis nous gagnons un go-on qui a offert équipe champion bourse d'études anglais-espagnol et puis coach tout qui a gagné bourse anglais-espagnol donc.
Alors, le joueur au fin champion comme ça, est-ce que nous avons d'autres compétitions nationales ou internationales et Ligue lui-même n'a pas pour gagner? Normalement, depuis la Fédération haïtienne de basketball ou bien l'autre instance qui est concernée à organiser une compétition nationale, c'est tout normal pour nous sélectionner, mais il y a des gens pour nous faire jouer une compétition. Alors, vous sentez satisfait? En pile, nous satisfait en pile. Vous savez pour faire un article de déplacement, non, vous supporter. Bon, généralement, nous connaissons la population haïtienne et le football et basketball, mais nous profitons au sport ça et nous espérons que avec jeu ça que nous portons dans la cité là que vous allez comprendre que l'autre qualité sport qui est capable au feeling qui est capable ambiance pour encourager Timonio pour jouer basketball donc. C'était réaction président Ligue Basketball Cité Soleil Lance Sadrak Joseph. N'a quitté Basketball League pour nous parler de basketball interscolaire. Association sportive interscolaire ASSI, coordonnée par Jason Valbouin, réalisée grande ouverture 19e édition championnat interscolaire basketball ASSI sous paquet centre sportif et récréatif Turjo, vendredi 7 février 2021. Il y a deux matchs dans le programme non pour première journée. Collège Nouvelle Lune corrigé 4 pressoirs qui ont battu 41-37 grâce à un très bon match de Herbie Mouin qui était contribué et terminé meilleur joueur rencontre à 19 points. Alors que dans le deuxième match là, c'était le collège Cœurs Unis qui a joué contre le collège Canado-Haïtien. Le match qui tournait dans avantage équipe Cœurs Unis hein, qui gagnait Canado-Haïtien 44-42 grâce à un très bon match de Dassi Morvens qui lui-même a réalisé 13 points dans la journée inaugurale compétition. Et là, nous comprenons en pile belle basket pour première journée. Là, c'est le deuxième match là qui a gagné entre Canado et Cœurs Unis. Canado, c'est lui-même qui a gagné couleur et blanc et rouge là. Alors que rouge et blanc, nous capables de dire, c'est l'équipe Cœurs Unis qui a même arrivé. Donc, gagné premier match journée. Et là, nous avons quelques phases de jeu dans le match basketball ça pour monsieur était capable permettre à ce que équipe yo mais qu'on ait première victoire dans la compétition et là nous ouais yon dernier tentative avec basketteur canadois qui prend 3 points et il était bon ouais fanatique yo tape mettez ambiance sous paquet et mais centre sportif et récréatif turjoin là son lancer franc li bon et mesdames yo messieurs dames yo qui ont même ta prend plaisir Noël 44-42 score final match basketball ça entre Cœurs Unis et Collège Canado Haïtien et c'est Cœurs Unis qui lui-même rive gagnen. Sheridson Louis Saint qui s'est shooting guard Collège Cœurs Unis dans l'intervention d'ici un contentement énorme pour yo puisque c'est première participation et dans premier match yo yo connaît victoire li promet y a continuer travail pour être sous même lancer. Je suis mort là, je suis mort là, je suis mort là, je suis mort là, je suis mort là. C'était intervention Sheridson Louis Saint qui s'est shooting guard Cœurs Unis. Gain Davidson Jambon qui s'est coach collège Canado Haïtien dans intervention reconnaître joyeux te manqué appliqué par rapport à un manque de concentration. C'est petit détail que pour corriger à l'entraînement et promettre mieux dans prochaine sortie. Momentum et match que dans le principe que me demander pour nèg jouer. Je vais jouer dans le registre, ça veut dire que si je mène, ça veut dire que je m'en donne 7 points au Tamaout pour que je me replace cette équipe-là. Maintenant, par rapport à l'euphorie, bon, peut-être que c'est le premier match et nous-mêmes, nous allons corriger tout ça que nous avons pour nous corriger. Nous allons travailler pour que les gens puissent temporiser dans chaque fin de quartier pour que nous-mêmes, nous allons travailler pour nous remédier, pour nous rehausser niveau de l'équipe-là. Et nous atteindre que nous-mêmes, son travail, nous commençons à lier. Nous-mêmes, c'est comme ça, nous avons tout fait. Et nous avons joué. Et nous avons joué là, nous avons essayé de corriger ça pour nous corriger. Et puis pour nous porter correction. Et puis ensuite, pour nous faire nous satisfaire ça et le public là. Vous avez fait un message Canada? Bon, il était confiant, jusque nous connaissons Canada. Nous avons toujours dit plus fort, plus loin. On prend plus près de nous-mêmes. C'était réaction coach collège canado-haïtien Davidson Jambon.
Gabi Désir, coach collège Nouvelle Lune, dans intervention le rete quoi pigo remède sport c'est travail et dit li quoi dans travail il a continuer travail pour kembe même lancer. C'est entre de banlieue. Vous comprenez? Vous faites tout pendant les vacances là, tout pays à Téloc, Gédélé, nous toujours faisons entrer de ban. Mais on connaît Pétion, c'est nous-mêmes seulement toujours mettre de la terre. Dernièrement, vous avez parlé, Lolo Baka a joué. Bah, tout ça, directrice a dit pour plus, au lieu de faire réserve, quitter Lolo, pas quitter le jouer. À tout Lolo qui a joué. Mais nous démontrons sans Lolo et pas Lolo, équipe là, c'est qu'on soit fait. C'est travail avec Joël, toute première mi-temps, vous avez monté sous nous. Dans le deuxième 4 ans, nous arrivons à passer devant eux, nous battions. L'équipe, nous avons des failles au niveau de défense. Pour nous, nous avons le travail. Nous avons le travail dans l'entraînement. Pour nous, ouais, ça nous perdit. Si failles nous avons au niveau de défense. Next match, nous, pour nous, ouais, pour nous régler, pour nous faire une plus belle figure devant l'école, nous allons jouer. Nous avons une nouvelle lune. Nous avons une nouvelle lune, c'est l'équipe champion lié. Si nous venons là, c'est pour champion nous venons. Nous pas venir pour deuxième, nous venons pour champion. Cette intervention Gabi Désir qui est coach collège Nouvelle Lune. Sébastien Pétion, coach 4 Pressois, dans l'intervention reconnaître un début compétition toujours difficile. Il est vrai que y a un problème effectif, toutefois il apprend à y avoir le travail et promettre un meilleur visage dans la prochaine sortie. Allez ça nous vraiment grand plus travail pour faire. C'est joueur minime qui était dans minime l'année passée. Joueur cadet, on pourrait tout effectivement aller année ça. Tout joueur me dégain année passée au fini. On seul joueur qui était dans l'équipe l'année ça. So on son ça spécial avec été scolaire. Yo vini y aller. On s'en veut non so joueur non obligé de travailler avec. On s'en veut non. Oh ben, il est plus challenge, man. Oh, ça me va. Coacher tout le monde, pas facile. Depuis à la base. Oh ben, vous connaissez, pour adopter avec base, pour monter un petit monde. Parce que tout ça n'est pas bon, plus facile pour faire. Tout ça qui est bon, plus difficile pour apprendre pour tout le monde pour faire. So ça n'a pas fait. Moi, qui problème nous gagne. Nous allons entraîner plus. Nous allons mettre plus de man. Nous allons grandir avec tout le monde. Bien sûr. Anessa a fait people comme coach. Je vais faire mon autre match encore. Pour moi, je vais faire plus de sacrifices pendant le carnaval là, je vais travailler avec eux. Comme d'où. Par là, je travaille. Même si vous êtes comme ça, je garantis que vous êtes tout pareil. Je garantis que dans le championnat, nous ne pas finir comme ça. Moi, merci à tous les fanatiques qui font déplacement pour venir garder le match avec moment de difficulté. Je souhaite plus de monde venir supporter ce qu'a fait dans l'Asie. Parce que jeunesse, ça, c'est avenir. Jeunesse, ça, c'est aider mes jeunes. C'était réaction et coach 4 Express Warland, Sébastien Pétion. Ah, bah, ouvrir. Et là, on me dit quoi, ça? Pourquoi ils ont dit ça? Parce que Gabi mettait de la tête. Là, coach, j'ai parlé de défaite. Ah, bah, Gabi dit, il dit pas, j'aime bien dire, mais nous connaissons le football basket là, il y a une tête. En tout cas, Gabi, c'est commencement toujours facile. Retenez tant parce qu'elle dit dans fin compétition, il pas loin qui ça au peser. Pour bon nous. By the way, on do aim va quoi mettre là. Vous devez quoi aim qui ça? Non mais. By the way, commencement toujours facile. Mais ouais, l'amour, tout le monde doit respecter l'amour, c'est beau causé. Ça passe. Tout commencement toujours difficile, sauf dans l'amour. Commencement l'amour toujours belle. Mais faire des fois. Oh, ça a laissé aller. Et son envie dit là? Ben oui, maintenant, traduction barème, pendant que ça vient dans l'esprit, on connaît tout commencement, on travaille, on étudie, on fait commencement toujours difficile pour adapter. Mais ouais, dans l'amour, commencement l'amour toujours belle. Mais, et au coup, dis-moi l'amour. Ou va qu'on crie? Des fois. Bien content. Pour qu'on y a, on a invité aussi le coordonnateur Assian, Jason Valboin, qui t'a fait le pot autour de journée inaugurale compétition et dit il est entièrement satisfait. Bon, on a dit que Yann Cotin, en pile de ce que 10e édition a commencé bien, nous fait assez de public pour nous satisfaire. Surtout dans la journée historique pour 7 février, il y a pile de bagaille qui, un pile de défi qui levait là. Parce que recommencer l'activité scolaire sur gros bagaille, recommencer à jouer basketball sur notre bagaille, recommencer à mettre l'espoir, mettre une chance pour recréer, pour amuser sainement sur notre gros affaire. Donc nous disons à nous content. Malheureusement, et
était en retard la programmation à cause de l'école de retard, à cause de problèmes qui étaient dans la rue. Nous espérons que la prochaine fois, nous n'avons pas de problème ça. Mais dorénavant, nous connaissons que nous avons gagné un match chaque vendredi et trois matchs le samedi parce que nous voulons que Timouni entre la caillou au bonheur. Mais le vendredi, nous avons commencé à 2h45, nous avons fini à 5h15 pour que Timouni calme la caillou avant le fait noir. Et le samedi, nous avons commencé le match depuis midi pour gagner trois matchs. Encore une fois, nous voulons Timouni à la caillou au bonheur. Parce que nous tous connaissons que la sécurité a son gros problème. Donc, nous avons demandé au public faire des déplacements en bonheur, respecter leur. Toute équipe, nous avons demandé à l'école de respecter leur parce que sinon, il y a fait forfait sur eux. Mais nous avons demandé tout que l'école fait ticket au vendre dans l'école. Parce que si nous vendons dans l'école, nous avons plus de moyens pour nous contrôler qui nous venons là. Et tant que c'est élève l'école, nous avons plus de contrôle sur la sécurité. Nous-mêmes, nous avons fait travail par nous. Nous avons sécurité par nous, mais nous avons PNH tout qui encadre nous dans l'école là et en dans ce centre là et dehors sous la rue. Donc, nous avons assuré que tout va passer au mieux. Et nous avons demandé que PNH et institution, direction générale, ballon coup de main, voyez le patrouille pour nous dans la zone là, pour que nous puissions vraiment qu'à amuser et entrer la caillou sans gros problème, sans difficulté. Donc, c'est ça tout challenge. Donc, nous satisfaits. Année ça, nous avons gagné 7 écoles en catégorie junior, 4 catégories cadet et 6 catégories minimes. Donc, nous pensons que c'est un bon bagaille. Déjà, grand-pile l'école qui t'a voulu venir, pas qu'à venir, parce que il y a des problèmes de sécurité et des problèmes de distance, et qu'on ne peut pas inquiet. Mais je dis à mon côté, directeur de l'école déplacée, parents déplacés, si vous déplacez, j'espère que tout le monde a porté la caillou bien. Et à partir de la semaine prochaine, rendez-vous, hein, c'est l'assis, 19h édition, vendredi, le seul match et puis samedi 3 matchs. Catégorie féminine est un gros défi et à descendre encore beaucoup plus parce que au départ, ils ont fait le sacrifice pour les étimes sur Ovindjoué, mais mesdames, ils sont encore beaucoup plus strict. Et nous avons souhaité que ce n'est pas ça. Le sport va être par sexe, mais nous avons compris la situation et nous espérons que l'année prochaine, nous avons mesdames, là assez. Chaque vendredi, nous avons dit de non pour être qu'on a fait un seul match et pour nous assurer que nous avons fait Didier en jouer assez pour que les gagnants aient un temps de performance qui est assez intéressant. Nous avons dit que le public l'a aimé ça, donc nous voulons associer la musique là avec sport là pour que nous avons fait un team de jeu. Nous connaissons là assis, nous sommes d'accord que Didier a joué le match. Les superstars, c'est joueur. Nous voulons 20 joueurs avant que nous vendions Didier. Et j'espère que la formule a marché pour nous. Nous profitons de demander au secteur privé un gros coup de main. Nous connaissons l'année entendue avec un pile problème que l'autre problème qui gagne politique. Et nous demandons que supporte l'activité ça pour nous avoir une chance pour créer parce que nous avons besoin d'amuser. Tout HTV est content ensemble avec vous et nous remercions. Si information sport intéresse vous, capable toujours abonner avec chaîne nan, et vous capable ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification Entourage TV. Et ça t'a impressionné nous, si vous êtes capable aider nous grandir chaîne nan. Merci. Ciao.